Yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 16 800 abonnés, comment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 11 juin, direction Nantes, pour le Grand Prix Synergie. Donc c'est du plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Petit retour sur le quintet du lundi 10 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Attention, encore un quintet de plat particulièrement ouvert. On commence avec le numéro 1, Jazz Melody. Il ne faut pas la condamner sur sa récente contre-performance, car la distance était un peu longue pour elle. Même avec le plus gros poids de la course, elle va en faire souffrir plus d'un. On la garde! Le numéro 2, Moonracer. Il donne toujours son maximum en course et il fait preuve d'une belle régularité. Ce mardi, il a une belle chance à défendre. C'est oui! Le numéro 3, Contorsionniste. Ce sera sa deuxième course de rentrée. Il progresse. Mais il risque un peu de manquer pour ce rendez-vous. Je préfère garder des chevaux plus affûtés dans ma sélection. Le numéro 4, Jackal Jack. Il reste sur 4 échecs consécutifs. On a besoin qu'il nous rassure avant de pouvoir lui réaccorder notre confiance. Outsider. Le numéro 5, Shalding. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. C'est bien dommage. Il a besoin d'une piste très souple pour être vraiment dangereux. Si c'est le cas, il peut créer la surprise. Attention à lui. Le numéro 6, Zivery. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité et les pistes souples ne le dérangent pas. Il va découvrir cet hippodrome particulier de Nantes, quitte ou double. Le numéro 7, French Pegasus. Il reste sur 3 échecs, mais il commence à retrouver la forme depuis sa castration. Mais comme il n'apprécie pas les pistes souples, je prends le risque de l'écarter. Le numéro 8, Wetrove. Il a déjà couru une fois à Nantes et ça s'est terminé par une belle deuxième place. Par contre, ses deux dernières sorties, 2 échecs. Il aime les pistes souples, méfiance. Le numéro 9, pardon, le numéro 9, Larno. En 11 courses, seulement 4 fois à l'arrivée. Par contre, il a vraiment besoin d'une piste très souple, voire lourde, pour s'exprimer. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Forever Fun. Elle revient sur un hippodrome où elle avait triomphé. Mais à ce poids, elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour terminer dans les 5. Le numéro 11, My Buddy. Il est dans une forme olympique. Il progresse à chaque sortie et apprécie les pistes souples. Par contre, il a hérité d'un mauvais numéro de corde qui va lui compliquer la tâche, mais il garde quand même son mot à dire. Le numéro 12, Chica Dream. Il a de l'expérience et apprécie la piste de Nantes. Mais sa dernière sortie n'était pas bonne. À noter que son entraîneur a dit que si il court mal une nouvelle fois, ce sera la retraite. Le numéro 13, Dylan Dancing. Beaucoup d'échecs à son actif ces derniers temps. Il est difficile à conseiller au vu de ses mauvais résultats. À noter par contre qu'il apprécie les pistes très souples. Voilà. Le numéro 14, Furious des Aigles. Il reste sur 4 défaites consécutive. Et ce n'est pas rassurant. Son entraîneur dit que c'est à cause de ses mauvais numéros de corde et que cette fois-ci, avec son bon numéro, il va remettre les pendules à l'heure, donc grosse méfiance. Le numéro 15, Qatar Bolt, 9e la dernière fois. Il n'avait pas eu un super parcours. Attention, tout est réuni cette fois-ci pour le voir se réhabiliter. Un bon numéro de corde, un bon jockey, attention à lui. Le numéro 16, Moonwalk Step. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités. Mais attention, c'est une course visée. Il a été supplémenté pour pouvoir y participer et il lui faudra une piste lourde pour faire l'arrivée. Si c'est le cas, il garde une chance de terminer dans la bonne combinaison. Méfiance. Le pronostic, ça donne 15, 16, As, 5, 11, 2. 6, 4.
14, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi ! Ciao !